Donc, on va passer à la deuxième présentation. Melek Jebnoun, de la communauté Mozilla Tunisie. Je t'apprends à l'enseignement du web. Let's teach the web. Le web a un avenir كبير مع les devices mobiles, les fournisseurs mobile HTML5. Donc, je lui passe la parole. On recherche Walid Chafrout. Walid Chafrout qui demandait. On y repense. Donc, Majdi, il a cité le nom de Ziad Bouziri. Ziad, je vais faire une présentation dans un jour sur le programme. Après quelques minutes, je vais faire une présentation de Sherkin à l'IPV6. Donc, c'est une occasion pour le rencontrer aussi. Je rallume mon micro. Bonjour, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je m'appelle Melek Jebnoun. Je suis ingénieure informatique. Je suis ici plus à la khatamour de la communauté Mozilla, et plus précisément membre de la communauté Mozilla Tunisie. Donc, entre autres, Lyouma, je suis ici, comme vous pouvez le voir, afin de vous parler de web. Et plus, Mouchhat, afin de vous parler de web pur et dur. Mais c'est pour exposer une idée, j'ai remarqué un peu quelque chose et je voudrais bien un peu vous l'exposer et vous montrer un peu ce que les autres font, parce que Ahmamant, Aleta, Léran, entre autres, Fitounes. Donc on va attaquer, on va voir un peu à fur et à mesure. La première chose, et l'Ibashno Daber, en fait, au niveau de mes slides, ça a été le cataclysme qui a eu début octobre, et la rumeur qu'il y aura la coupure d'Internet. Vraiment, c'était tout le monde, c'était la rumeur, la fureur, mais ce col, Internet ça va couper, ou il a dû, si Mouaz, intervenir au niveau de la presse, au niveau de tout ce qui est Express FM, pour dire non, il n'y aura pas de coupure, vous inquiétez pas. En fait, là c'était une capture d'écran du compte officiel de l'ATI sur Twitter, qui assurait qu'il n'y aura pas de coupure. En fait, ça montre un peu, ça m'a mis la puce à l'oreille, Haja Hadia. C'est un peu l'importance et la position qu'Internet a de Tunisi. Ça montre les blagues, on s'inquiète. C'est devenu peut-être quelque chose, et vraiment c'est très très important. Hein. On s'inquiète carrément, allez, dès que l'Internet elle va couper, c'est vraiment devenu quelque chose d'inquiétant. Et c'est quelque chose qui se conforte aussi, qui jette une chouffe un peu fait les stats. Le pourcentage un peu d'utilisateurs d'Internet par rapport à la population tunisienne, il a atteint en 2012. 41,44%. Vous réalisez les presque la moitié des Tunisiens, c'est-à-dire la moitié de nos 10 millions de Tunisiens, on a accès à Internet. C'est presque énorme. On est troisième au niveau de l'Afrique. On est positionné, c'est-à-dire en tant que troisième pays en termes de pourcentage. Et c'est énorme quand même. Certes, par rapport à d'autres pays, comme le Maroc ou l'Égypte, on est en cours. Alors, par rapport à l'Afrique, c'est quand même énorme. Mais je ne sais pas trop, je me suis posé la question. Certes, femme à 41%, c'est cool. Ah, mais est-ce que vraiment ces 41%, ils savent vraiment, ou un peu cette conscience de savoir la grandeur de la chose ou l'importance de l'outil et les humains ils possèdent? Est-ce que tous, c'est juste de la connexion, juste je me connecte pour voir Facebook, entre autres, pour voir social? Ou est-ce qu'ils sont vraiment conscients de l'hajj al-toy, et de ce réseau, et de tout ce qu'Internet permet d'avoir? Car entre autres, c'est énorme.
Et plus encore plus, le web, il est énorme, c'est pas uniquement Internet. En fait, la différence, c'est que Internet, c'est le réseau, et le web, c'est vraiment le service, si je peux dire ça. Et vraiment, c'est énorme pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que le web, il vous donne des ailes. Malheureusement, il donne pas la vie, j'aurais bien aimé. Ah, mais il donne un peu de tout ce qui est les ailes à la trois niveaux. En premier, il donne, c'est-à-dire des ailes au niveau de l'aspect économique. Il y en a certaines personnes, ils ont commencé des startups fitounes, rien qu'à travers un site web, ou dès où ils ont développé leur propre business, où ça a marché très très bien, c'est juste à travers un fan, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de bosser juste ça, et c'est énorme. Rien que l'exemple de l'empire Facebook aussi, comment il a devenu vraiment quelque chose de très très important, comme vous pouvez le voir. Et là, Hajali se base uniquement sur un site internet, de 1. De 2, internet, elle permet aussi, ou le web plus exactement pour dire, il permet de connecter les personnes. C'est-à-dire, vous avez votre petite amie qui est en France, vous passez le soir à Tumchitarkemar, Lille et Kemlam, vous avez des amis, vous vous skypez, vous vous parlez, etc. Et sans le web et sans internet, vous n'aurez pas pu faire ça. Et entre autres, internet ou le web, il vous permet aussi d'avoir l'accès aux ressources. Tout le monde d'entre nous, un compte rendu ou une recherche, c'est de googler et de chercher la chose. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. C'est vraiment un gros ressource, une grosse ressource entre autres, qui nous donne plein de choses. Mais pas uniquement. Ce qui m'intéresse le plus au niveau du web, c'est vraiment la voix. Entre autres, le web, il vous donne une voix. Une voix, à travers, tu peux parler, tu peux communiquer, tu peux t'imposer carrément au niveau et une connaissance de comment savoir faire. Mais imaginez-vous, supposons que c'est l'Indian, mais il y a le Stade de France, et 500 000 personnes, et du coup, vous avez un micro. Au matin, là, tu utilises le micro, et le micro, il est fermé. Alors, tu plantes, on dit que tu as une très belle voix, tu as vraiment quelque chose d'extraordinaire, une ressource. Mais au matin, tu communiques à l'arabe. Et c'est exactement ça. C'est que le web, je ne sais pas, au niveau des Tunisiens peut-être, au niveau d'autres personnes, je ne sais pas trop, peut-être qu'on a une ressource, mais ils ne savent pas trop comment l'exploiter, ils ne savent pas comment rallumer le micro, comment bien utiliser le micro. Et c'est ça un peu la question. C'est qu'il est vraiment le moment de commencer à enseigner un peu ce web. On réfléchit à un bon plan, on réfléchit à un très bon programme, et il commence à enseigner ces bases-là du web, ou comment bien l'utiliser. Mais il y a encore mieux, l'open web. Je sais pas combien d'entre vous ils ont entendu parler de l'open web. Levez-vous. C'est normal. Ok. En fait, l'open web, c'est, je peux dire peut-être que c'est une variante du web. Il y a Wahaja qui offre quelques caractéristiques, qui m'a ce qu'on appelle la décentralisation, la transparence. Il est basé sur des ressources. Wahaja, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Famanes, ils sont en train de combattre, il y a des gens qui sont en train de militer, mais qu'ils garantissent un open web à tous, c'est-à-dire un web ouvert. L'étoile, il fait un petit qu'il n'est pas uniquement un consommateur, mais aussi le producteur de la chose. C'est-à-dire, l'étoile, il est au centre de la chose, Marach, l'étoile, il est la grosse boîte Google, ou encore la grosse boîte je ne sais pas qui, elle est au centre, elle te fournit un service ou une titre d'autoscot. Mais non, ça deviendra la chose, et tu pourras fournir, tu peux carrément voir la transparence de la chose, comment tes informations elles vont transiter sur l'open web, ou comment elles vont être utilisées, ou je comprends bien. Et c'est ça un peu, peut-être, la face la plus importante du web. Il y a un truc, il y a Mozilla. En fait, Mozilla, elle adore l'open web. Et Mozilla, on est en tant que membre de Mozilla, on a vraiment pris l'open web comme notre cheval de guerre. Chadine a fait l'open web, c'est bien qu'on lui dit qu'Allah n'a pas encore eu l'open web. Enfin, mais c'est une autre qu'on comprenne autre que l'open web. On est en train, en fait, un petit mot rapide sur Mozilla. On est une fondation à but non lucratif. Pour ceux qui ne connaissent pas Mozilla, en fait, c'est divisé sur deux gros groupes, et les Home Mozilla Corporation et Mozilla Foundation. Un peu la corporation, en fait, Mozilla, elle produit Kima Firefox, le navigateur, ou encore Firefox OS, le nouveau téléphone que vous pourrez voir par la suite. Hedikahaya, c'est l'aspect, c'est la Mozilla Corporation, c'est la boîte, je veux dire, et elle produit des parties des produits, on a l'aspect légal de la chose. Aux États-Unis, c'est une boîte US. Les enfants ont un aspect légal pour fournir les produits. Oui, j'entends. On récupère par la suite un peu d'argent, un petit bénéfice qui revient à partir de Google, en fait, quand vous téléchargez Firefox. Et on a certaines personnes qui me posent mini niveau comme le flou, c'est un Mozilla. Et vous vous dites, on a une grosse association, on a une grosse fondation à but non lucratif. Entre autres, quand vous téléchargez Firefox,
il y a déjà Google dessus, comme navigateur de recherche, comme moteur de recherche. Et là, du coup, quand tu fais une recherche ou tu cliques sur une publicité, voilà, j'ai fait une des pages qui vient dans le résultat, une petite partie, enfin, tu as les publicités, donc là, une petite partie, elle est réversée à Mozilla. Tu as Google, elle donne un tout petit pourcent à Mozilla. Dès qu'il a cliqué sur la publicité. Mais si on collecte un peu toute cette petite somme à travers le monde entier, ça nous donne presque un bénéfice de 120 millions de dollars par année. Entre autres, les 120 millions de dollars. Ce qui est cool, les 120 millions de dollars à Donka, c'est qu'on les réinvestit à 100% au niveau de l'AB, de l'International Corporation, ou des volontaires, et les membres de la fondation, et les Yermoubleflous. C'est de faire un peu ce qu'on appelle le Mozilla Summit. C'est des gros événements. On ramène des milliers de personnes, on les fait voyager, on leur paye le voyage pour remercier un peu ces contributeurs, dont une bonne majorité. Maintenant, il y a des employés, mais il y a aussi des contributeurs. Et ils donnent de leur temps, ou juste ils contribuent au projet Mozilla pour rendre le web meilleur. Et un peu, c'est ça notre mission, c'est un peu to build the web, to build the internet that the world needs. Entre autres, c'est Mitchell Becker, qui est la chairperson de Mozilla Foundation, qui a dit ça. On est là, on est tous une armée de personnes, en employés, en contributeurs, qui sommes là rien que pour donner un web meilleur. On croit vraiment à la notion du web, on croit à l'importance du web, et surtout on croit, fait haja li haya lazemha. Toi, Léane a peut-être un basique, il y a le fait le webmaking. Pour nous, la notion de webmaking, c'est il faudrait les personnes qui créent du contenu ou les trois tombardiques sur Internet, c'est ça le webmaking, c'est-à-dire de construire un peu quelque chose. Et Mozilla, elle a décidé depuis une année ou plus qu'une année de s'investir dans le projet. C'est un des gros projets de Mozilla, le webmaker, Mozilla Webmaker. Donc un des objectifs de Mozilla Webmaker, ça a été un peu de je pourrais dire que c'est le fait de démocratiser un peu la culture du web. Certes, la ressource du web, c'est extraordinaire, ou c'est une puissance internationale, mais il est temps de commencer à bien mettre les basiques. C'est ce qu'on appelle l'alphabétisation du web. Les alphabets, qui m'ont dit qu'il y a des maths, des lettres physiques, qui m'ont dit qu'il y a des lettres, les ABC de la chose. Et Mozilla a commencé à travailler, un standard, un document, et elle pourrait se baser dessus. Vous êtes déjà créé une suite un framework, c'est le fait de créer une atmosphère pour permettre l'apprentissage de ce web-là. Donc entre autres, je me pose un peu sur l'alphabétisation du web. Et c'est ça qui m'a attiré. Voilà, en tant que membre de Mozilla, ça fait presque 2010 que je suis membre de Mozilla, ça m'a vraiment attiré la puissance de ces gens qui forment. C'est un groupe essentiellement des Américains, forment une bonne partie de l'Europe. Où une majorité de contributeurs vient un peu de l'Asie, au choix des Philippines, en partie asiatique. Quoi. Mais malheureusement, on n'a pas trop d'Africains au niveau de ce projet-là. Vous voyez un peu le premier draft, c'est le web literacy, c'est-à-dire l'alphabétisation du web. Ils ont commencé à drafter un programme, à drafter un papier. C'est carrément ce qu'il faut faire. Ils ont divisé les trois axes. Je suis un noob du web, je suis un bébé ou un petit enfant de 5 ans ou de 6 ans. Par exemple, comment utiliser le net? Les trois phases.